Bonjour, Michel Maté, professeur d'accordéon chromatique à l'École départementale de musique de la Charente. L'accordéon a été déposé, le brevet a été déposé en 1829 par un Autrichien, Cyril Demian, et cet instrument est arrivé sur Paris, rue de Lappe, vers 1831. On peut remarquer une pièce de 1835. Voilà, avec le système diatonique, c'est-à-dire que vous avez deux sons. Si on tire ou si on pousse avec le soufflet. Le soufflet de ce côté. Un très succinct clavier de la main gauche pour accompagner. Et la mélodie se fait sur le clavier de droite. Après, on peut remarquer cet instrument-là, qui est austro-hongrois. C'est le système toujours diatonique, très ancien, 1850. C'est là où l'accordéon est devenu l'instrument populaire, l'instrument où en France on l'utilisait dans les granges, dans les petites salles, car il n'y avait pas bien sûr de salle des fêtes. Et dans toutes les campagnes, l'accordéon était utilisé, surtout à la fin du 19e siècle. On peut remarquer aussi pour un autre système, pour ceux qui sont plutôt pianistes. Système du piano, clavier, piano, main droite, un petit accordéon. Souvent, ce sont des instruments qui sont utilisés dans les pays d'Europe de l'Est, notamment aussi au Portugal, la Hollande, l'Allemagne. Et ensuite, on retrouve le système chromatique. Alors voilà, ce clavier, les sons vont du haut vers le bas, du grave vers l'aigu. Là où on veut faire la mélodie. Côté, vous avez l'accompagnement. Mélodie de ce côté. Le soufflet au milieu. Ce système, c'est un système à hanche libre. Et vous avez cet accordéon chromatique peut aborder différents styles. Les musiques, ça peut être tout simplement dans des musiques traditionnelles. Aussi aborder le répertoire classique. L'accordéon, bien sûr, celui-ci, c'est un accordéon de type pour adultes. On appelle ça un 96 basses. Il y a aussi les 120 basses. Mais il existe, bien sûr, des petits accordéons pour les enfants. L'accordéon peut être utilisé à partir de, on va dire, du CP, du CE1. Donc, il existe des tout petits accordéons aussi pour les enfants, avec ce qu'on appelle 3 rangées au lieu de 4, comme ici. Voilà. Thank you.